Essentiellement l'or, c'est-à-dire l'état de connaissance sur la filière aurifère en RDC. Comme vous le savez, depuis un moment, notre organisation INEX est en train de travailler sur plusieurs commodités. Donc, raison pour laquelle nous organisons ces Open Talk pour vraiment discuter avec toute la communauté scientifique et recueillir des idées, des opportunités et mieux orienter nos différentes recherches par rapport à ces différentes commodités. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'or qui sera à l'honneur. On va vous parler un peu de l'or de toute la RDC, tout en laissant beaucoup plus la place aux discussions que aux exposés magistraux. Merci. Très zen. D'accord. Alors, juste pour une présentation, très zen est géologue d'exploration dans la plus grande mine pratiquement d'Afrique centrale, qui est la mine de Kibali Gold Mine. Donc, c'est également un chevronné dans cette filière en RDC et dans le craton du Congo. Donc, c'est lui qui va nous briefer un peu sur l'or de la RDC. Ok, bonsoir, merci, Monsieur le Président. Alors, on va essayer de partager, discuter sur l'or de la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, de tous les minéraux pratiquement de la Terre, il n'y a aucun qui soit beaucoup plus utile que l'or. Et l'utilité de l'or découle d'une diversité de propriétés particulières. Par exemple, nous savons que l'or conduit l'électricité, l'or n'éternue pas, l'or est très facile à travailler, l'or peut être étiré et peut-être martelé en fine feuille et l'or peut être fondu ou coulé en forme très détaillée. Alors, ce que d'ailleurs la plupart des femmes aiment, c'est l'or a une couleur merveilleuse et un éclat brillant. Donc, l'or est un métal mémorable et qui occupe une place particulière dans l'esprit humain. Donc, par là, nous présentons ici pratiquement le plan qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. On va essayer de parler de l'origine de l'or, des usages, la géologie potentielle de la RDC, et puis il y a des sous-points. Alors, concernant les origines de l'or. Alors, si l'homme, je crois bien, l'homme exploite l'or depuis 6000 ans, on considère que l'or s'est formé pratiquement lors de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, au beau milieu d'une catastrophe cosmique. C'est pratiquement contraire à ce que l'on pensait. La formation de l'or n'est pas terrestre. Il est ici des étoiles. Alors, des hypothèses expliquent la genèse spatiale de l'or. La première, c'est celle dont on fait allusion à l'or provenant de l'explosion d'une supernova. Et la deuxième, c'est soit l'or proviendrait de la collision des deux étoiles à neutrons. Mais récemment, il y a eu une équipe de chercheurs qui a montré que peut-être que ce n'était peut-être pas le cas, des hypothèses. Ils ont essayé de comparer l'abondance
observer d'éléments lourds comme l'or, le fer, dans la voie lactée et leurs fréquences. Alors, ils ont fini par conclure que ces éléments, donc des collisions ne pouvaient pas être celles responsables de la quantité détectée de ces éléments lourds. Alors, ils ont avancé un autre élément contributeur à la formation des éléments lourds. Ils ont pensé aux supernovas magnéto-rotationnelles. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors, mais on va essayer de se poser la question. Mais si l'or s'est formé dans l'espace, alors comment l'or que nous avons actuellement, l'or s'est retrouvé dans notre planète? Alors, l'or dans notre planète est donc arrivé pratiquement lors de la formation de la Terre. Donc, la Terre a été, on peut dire, bombardée par des pluies de métaux précieux, par des pluies de ces métaux lourds, et puis qui sont allés se loger dans les noyaux à cause de leur forte densité. Et puis, des filons que nous connaissons aujourd'hui ont commencé avec l'activité géothermique de la Terre à remonter à des profondeurs actuellement exploitables. Donc, tout ça, nous sommes encore dans les théories. Alors, maintenant, l'utilisation, donc les usages qu'on fait de l'or. Alors, concernant l'utilisation de l'or, l'or est utilisé, comme vous le savez, dans la joaillerie, dans l'industrie. Donc, on va essayer de citer la plupart d'industries. Donc, l'industrie, il y a l'industrie électronique qui utilise, l'industrie décorative, la dentisterie utilise aussi l'or. Et puis, l'or, c'est pratiquement aussi des réserves en banque. Alors, des réserves en banque sont en or. L'or peut être aussi investi. Donc, il y a plusieurs utilisations de l'or. Je vais un peu plus passer rapidement. Et à côté d'ailleurs des slides que vous voyez, j'ai essayé de mettre les grands producteurs. Les grands producteurs en 2017 de l'or qui à travers le monde. Vous avez remarqué Barrick occupait la première position, Newmont, et actuellement avec des joint ventures qui sont effectués par Barrick avec Randgold et puis Newmont avec Goldcorp. Pratiquement, il se dispute la première place mondiale dans la production de l'or. Alors, on va essayer de passer pratiquement à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'or en République démocratique du Congo. Et l'or en RDC, comme vous voyez sur ma carte, alors, l'or en RDC, nous avons pratiquement, je vais essayer d'appuyer. Alors, l'or en RDC, où est-ce qu'on peut trouver, on trouve l'or en RDC? Nous trouvons l'or en RDC dans cette partie du pays, le nord-est du pays. C'est là, sur le plan géologique, on parle de la province métallogénique du Haut-Congo. Cette partie, nous avons l'or. Nous avons l'or ici aussi, dans les blocs Kragwe et Nkole, qui est pratiquement dans l'actuel Grand Kivu, donc Maniema, le nord et le sud Kivu, ici, cette zone. Et puis, nous avons des occurrences aurifères pratiquement dans cette région, dans Luisa, vers Kasai. Nous avons aussi des occurrences ici, dans le Congo central. Nous avons des occurrences également en Équateur, dans l'Ubangi. Mais quand je parle des occurrences, et actuellement, ces occurrences sont exploitées de manière artisanale. Il y a une forte activité artisanale dans ces zones-là.
Alors, on va essayer ici, si on va essayer de partager. Alors, je vais commencer par essayer l'heure en RDC, essayer de présenter où est-ce qu'on trouve des gisements, des gisements en pleine exploitation. Et on va essayer de voir des gisements déjà définis. Et puis, on va voir un peu des gisements, des potentiels ou des occurrences ou des opportunités en exploration. Alors, parmi des gisements en exploitation, nous avons Kibali, nous avons Namoya, Twangiza. Et puis, des gisements définis, Yamakapela, Adumbi, Mongbalu, Zanikodo. Pratiquement, tout se trouve dans la zone est du pays. Et les autres parties du pays où il y a des occurrences, il y a pas, donc il y a des occurrences, il n'y a pas de gisements définis jusque-là. Alors, on va essayer de passer sur, essayer d'aborder les gisements en exploitation. Alors, le premier gisement en exploitation dont on va présenter, c'est le gisement de Kibali. Le gisement de Kibali, l'un des grands gisements aurifères en Afrique. Et Kibali actuellement est opéré par Barrick Gold Corporation qui détient 45% des parts. AngloGold Ashanti qui détient 45% des parts aussi, et la société étatique, la Sokimo, société de Kilomoto, qui détient 10% des parts sociales. Alors, qu'est-ce que nous connaissons de ces déposites? Alors, on va essayer, vous pouvez essayer de voir, on a essayé de mettre quelques chiffres en termes des réserves. Des ressources mesurées indiquées et puis des ressources inférées. Alors, en termes des réserves, nous sommes pratiquement à 4,2 millions d'onces. Alors, donc, les réserves prouvées sont de 1,2 à 4 grammes la tonne, réserves probables de 2,9 millions d'onces à 4,23 grammes la tonne. En termes de ressources mesurées indiquées, nous sommes à 6,5 millions d'onces. Et en termes de ressources inférées, 1,2 millions d'onces. Et ça, ce sont des chiffres de l'année 2019, les rapports annuels 2019. Et comment se présente l'or à Kibali? Quel style d'or nous avons? Quel style de minéralisation nous avons à Kibali? D'abord, la minéralisation à Kibali a un contrôle structural. Et ça se trouve pratiquement le long d'une structure que nous appelons KZ. KZ. KZ, la structure KZ. C'est le long de cette structure où on définit pratiquement tous les déposits de Kibali. Et il y a un trend pratiquement nord-ouest. Et Oui, très puis, bien. oui, Yann. On pourrait également situer en termes d'âge aussi pour nous aider. Oui. Kibali, exactement. Kibali, comme Kibali, c'est l'Équibalien. L'Équibalien actuellement est daté à l'Archéen, 2,6 millions, 2,6 milliards d'années. Nous sommes dans l'Archéen, ici à Kibali. Et comme je le disais, donc, les styles, je disais encore les styles. Donc, tous les gisements se trouvent le long de cette structure, le KZ, et ces gisements, pratiquement avec un trend nord-ouest, sud-est, et puis avec un plongement vers le nord-est. Quels sont les principaux gisements? Alors, parmi les principaux gisements, nous pouvons citer les Kessidi, qui est le gisement principal. Il y a Bakaka, il y a Mingu, il y a Kombokolo, il y a Rino, il y a Gbarabo, il y a Gorumbwa, pour ne citer que ceux-là. Alors, il y a encore d'autres en cours de
d'autres gisements déjà pratiquement définis comme Kalimba et Tamba, qui vont devenir des mines d'ici là. Alors, que connaissons-nous en termes de géologie à Kibali? Alors, Kibali, pratiquement sur le plan géologique, c'est nous avons au nord, il y a le complexe ouest-nilien, et puis nous avons des volcans sédimentaires, et puis les sédiments datés du Kibalien, et puis les granites occupent la partie ici de la granite du Haut Zaïre, de la province orientale. Et d'ailleurs, le granit aussi a été daté pratiquement à la même époque. Alors, j'ai trop parlé de Kibali, désolé. Je vais essayer de aussi passer des autres. S'il y a toujours des questions, on peut poser sur les Kibali. Alors, la deuxième mine en exploitation, ou la deuxième mine en exploitation, c'est pratiquement Twangiza. Twangiza était opéré par Banro et ils ont connu quelques problèmes, quelques problèmes peut-être qu'on va essayer de discuter ici. Et actuellement, c'est détenu par une entreprise chinoise, Baiyin International, je crois, c'est comme ça, si j'ai bien prononcé. Alors, qu'est-ce que nous connaissons de Twangiza? Twangiza se situe au niveau du Sud-Kivu. Et Twangiza, en termes de ressources, comme les chiffres l'indiquent, les réserves prouvées, les réserves prouvées et probables sont pratiquement 1,44 selon le dernier rapport publié en 2018 dans leur site. Et puis, les mesurés sont à 3,6 et puis les inférieurs à 0,25. Alors, qu'est-ce que nous connaissons de la minéralisation à Twangiza? La minéralisation aurifère de Twangiza est considérée comme étant du type associé aux intrusifs et aussi avec des associations avec des tungstènes et des étains. Alors, le gisement de Twangiza lui-même mesure 800 mètres de long et est situé à la charnière de l'anticlinal de Twangiza. Alors, il repose sur des sédiments, des argilites, des siltes, des gréouacs qui ont été intrudés par des sils, donc le long de leur plan de contact par des sils mafiques et des porphyres riches en feldspath. Alors, les types de sulfures que nous avons là-bas, on rencontre plus de pyrites et des arsenopyrites qui se présentent sous forme de dissémination ou encore en veine. Alors, de manière bref, le gisement de Twangiza, c'est un gisement d'or hydrothermal avec un contrôle structural et lithologique. Alors, pour le contrôle structural, c'est parce que c'est lié à l'axe de l'anticlinal de Twangiza et le contrôle lithologique lié aux unités lithologiques et à la zone de contact où on peut trouver. Et nous avons ce système-là de quartz 20. Alors, le troisième gisement en exploitation, c'est Namoya. Et Namoya se trouve pratiquement au Maniema. Alors, Namoya est détenu actuellement par Baïn, qu'on a cité avec Twangiza, et puis Chomka, qui détient pratiquement 65% de parts. Alors, concernant les ressources et réserves publiées en 2018, nous sommes à pour des réserves prouvées et probables, nous sommes à 1,17, les mesurés 1,7 et puis les inférés à 0,85. Alors, qu'est-ce que nous savons sur la minéralisation? La minéralisation aussi structurellement
contrôlée par une zone de cisaillement de pratiquement 2,5 km qui est orientée nord-ouest-sud-est, qui se trouve au sein des schistes à séricite et qui abrite une série de quartz veins, des gisements en quartz, des quartz en stock wake. Pratiquement, c'est ce que nous connaissons. Peut-être qu'on pourra toujours essayer de discuter ou essayer de partager. Alors, après avoir, vous allez constater avec moi que nous avons que trois mines, disons trois grandes mines, donc Kibali, Twangiza, Namoya, actuellement, bien que Twangiza et Namoya connaissent quelques difficultés. Et puis, des gisements définis qui ne sont pas encore exploités. Alors là, on va, parmi les gisements définis, nous avons Zanikodo. Zanikodo, c'est pratiquement à Ituri, la région d'Ituri, où nous avons Zanikodo. Et Zanikodo, avec les ressources donc les ressources indiquées inférieures actuelles sont pratiquement à 2 millions d'onces, à 2,68 grammes la tonne. Alors, Zanikodo a un trend de pratiquement, c'est une zone de cisaillement qui pratiquement transverse tous les projets sur 9 km de longueur. Et on pense associer cette minéralisation à une faille lithique. Alors, la minéralisation elle-même est contenue dans les unités de BIF qui sont déformées, qui font pratiquement 10 à 20 mètres d'épaisseur. Et les trends de la structure est nord-nord-ouest, sud-sud-est et plonge vers l'est-nord-est à peu près à 50-60 degrés. Et les opérateurs actuels, il y avait Monafrica et puis Monafrica tiré. En juin 20, on n'a pas assez d'informations. Avec, il y a AGN qui est la Sokimo. Je n'ai pas trop de détails là-dessus sur leur joint venture. Il n'y a pas. Alors, le deuxième pratiquement gisement défini, c'est Giro. Giro, ici, nous sommes pratiquement dans la même région que Kibali, donc pratiquement dans le territoire à l'est de Kibali. Vous pouvez le voir, c'est pratiquement ici. Kibali occupe cette partie verdâtre-là. Et puis, Giro, c'est cette zone ici. Alors, Giro possède pratiquement des gisements. Et puis, les deux gisements font pratiquement. Il y a certaines données qu'on a eues de Giro, d'autres qu'on a eues à partir des AGN qui seraient en joint venture avec eux. Et parmi les données, il y a des données publiées par AGN qui font pratiquement quelque chose de 4,4 millions d'onces à 1 gramme. Mais d'après les dernières données publiées dans le site de Giro, on voit pratiquement, c'est un peu plus, c'est moins que ça. Et même parle de, dans leur dernier rapport, de 3,1 à 1,2 grammes. Ils ont essayé de définir par rapport au cut-off. Avec le cut-off de 0,6, ils parlent de 3,14 millions d'onces à 1,2 grammes. Et puis, avec le cut-off de 0,9, on parle pratiquement de 2,37 millions d'onces à 1,49. Alors, Giro, c'est pratiquement dans la même continuité que Kibali en termes sur le plan géologique, où nous avons des métasédiments
Et eux aussi, ils ont un système aussi des intrusifs minéralisés. Alors, là, on passe à Mongwalu. Mongwalu, c'est en Ituri. Alors, qu'est-ce que nous connaissons de Mongwalu? Mongwalu, d'abord, est opéré par AngloGold Ashanti. En termes des ressources, Mongwalu, c'est pratiquement quelque chose comme des millions d'onces à 7,44 grammes la tonne. Alors, en termes de minéralisation, cette minéralisation Mongwalu se trouve logée pratiquement dans des mylonites anastomosées qui font pratiquement 10 à 15 mètres de large. Et ces mylonites sont, ces corps de mylonites sont subdivisés en trois blocs qui sont séparés par des failles. Il y a des failles d'Entebbe et failles Adidi d'orientation pratiquement nord-sud et qui compensent la minéralisation jusqu'à 200 mètres. Et les blocs de failles sont appelés bloc ouest, bloc central et bloc est. Alors, ces mylonites sont composées de quoi exactement? Ces mylonites sont composées de quartz, de dolomite, de calcite, de chlorite, de silicite, de sericite et aussi d'albite. Alors, la minéralisation principale se trouve dans les blocs central et les blocs oriental, si j'ai bonne mémoire. Alors, l'or n'est pas réparti de manière uniforme dans ces mylonites. Il se trouve principalement dans les zones boudinées associées à des veines de quartz et à une silicification. Et c'est souvent l'or pratiquement dans le quartz veine sous forme l'or pratiquement libre, à l'état libre. On peut voir à l'œil nu quelquefois. Alors, sur le plan des sulfures, nous, il y a la présence pratiquement de pyrite, il y a des pyrotites, des chalcopyrites, puis il y a même des sphalérites, voire même la galène. Alors, il y a des granitoïdes pratiquement, il y a des granitoïdes qui occupent pratiquement les footwalls, donc des granitoïdes diorite, et puis des tonalites qui occupent les footwalls et les hanging walls de la zone minéralisée. Ça, c'est pratiquement typique des AngloGold Ashanti. Alors, à part AngloGold, après AngloGold Ashanti, il y a aussi les blocs pratiquement où nous avons les Greensolvers de Ngayou. Yann, qu'est-ce que tu penses des Greensolvers de Ngayou? Ok, merci. De toute façon, comme Trezen était en train de le dire, la plupart de nos gisements aurifères actuellement explorés de manière assez considérable se retrouvent dans les roches archéennes, c'est-à-dire dans le néoprotérozoïque pratiquement, aux alentours de 2,5, 2,6, 2,7 max. Et pour le cas de Ngaïou Belt, nous avons des principaux gisements qui ont été définis pratiquement dans le projet IMBO Project, qui est à Doumbi. C'est également une ancienne mine de Belges qui ont exploité également aussi, qui est définie pratiquement aux alentours de 2,5 millions d'onces, à 2 grammes, à 2,54 grammes la tonne, et opérée actuellement par l'encore. Et ensuite, nous avons une autre partie, Makapela, qui est un peu plus au-dessus et qui est définie dans des quartz veines qui s'étalent sur plus d'un kilomètre et dont on définit pratiquement 600 millions, 600 000 onces pardon, à 8 grammes la tonne,
comme ressource indiquée. Et sur le plan structural, nous avons vraiment une grande déformation dans la zone. Plusieurs occurrences aussi sont définies en flèches jaunes, comme vous le voyez là. Plusieurs occurrences sont définies généralement dans des volcanos sédimentaires associés à des quartz veines. C'est pratiquement ce contrôle-là qui prédomine. Bien que nous avons également d'autres minéralisations qui sont associées à des Banden Iron Formation, c'est-à-dire des itabirites, comme on les appelle, déformés avec beaucoup de plissements et des cisaillements qui les ont affectés, ainsi que d'autres qui sont liés aussi à des intrusions. Donc, nous avons diverses origines et divers types de minéralisation, généralement dans le même type de belt, dans cette partie du nord-est de notre pays. Ouais, c'était juste pour ajouter par rapport à ça. Bien, ok. Très zen. Yep. Alors, les occurrences et les opportunités. Alors, où est-ce que nous trouvons des occurrences? On l'a dit un peu plus tôt, nous avons des occurrences à travers pratiquement dans l'Ubangi. Nous avons des occurrences ici dans le Congo central et puis dans cette zone. Alors, la plupart de ces occurrences, comme on les disait, sont actuellement exploitées de manière artisanale par des orpailleurs. Et nous allons essayer de discuter sur certaines de ces occurrences. Alors, nous avons pratiquement ici, nous sommes dans le Congo central. Et pour ce qui est du Congo central, les occurrences ont... D'abord, au Congo central, l'or est pratiquement daté dans les néoprotozoïques. Alors, Yann, d'après tes récentes recherches, quel style nous avons de minéralisation dans les Mayombe, dans le Congo central? Yann. Ok, merci. En fait, dans le Congo central, nous avons des minéralisations qui sont liées à des quartz veines, mais nous avons aussi également certaines disséminations. Nous avons également aussi certaines disséminations associées à des sulfures, pratiquement dans des métabasaltes qui sont altérés généralement en carbonate et en chlorite. Et ces minéralisations semblent avoir suivi pratiquement les frasting qui ont été engendrés lors de la fermeture ou lors de la formation du Gondwana. Et on pense que c'est dans cette période-là pratiquement, c'est-à-dire fin néoprotérozoïque, là où il y a eu ces frasting-là qui a pu ramener des structures transcrustales qui ont pu ramener ces minéralisations en surface. C'est que je trouve... C'est pratiquement dans ça que nous... C'est que je trouve des potentiels, on peut présenter comme une opportunité ici. Ce qu'on peut présenter comme une opportunité à ce niveau, c'est quand tu regardes la carte pratiquement à droite, nous avons cette carte pratiquement du côté Congo-Brazzaville. Il y a une société Samax qui opérait au Congo-Brazzaville. Et la société a pratiquement fait quelques forages. Et parmi les forages qu'ils ont eu à faire, il y a des forages qui étaient intéressants. Il y a un forage qui a intercepté 28,5 mètres à 3,7 grammes la tonne. Et puis, il y a un autre forage qui a intercepté 18 mètres à 3,8 grammes la tonne. Et quand on regarde
La localisation de cette zone, on trouve c'est pratiquement le prolongement de la zone de notre Mayumbien, pratiquement du Mayumbien, là où actuellement il y a une forte activité d'orpaillage chez nous. Il y a une forte activité d'orpaillage chez nous. Alors, ceci, c'est pratiquement une ouais. opportunité. Juste aussi pour information. Oui. Je disais, donc, c'est pratiquement une opportunité. Oui, et juste également comme information que Samax, c'est l'actuel. Donc, Yann, je crois que le réseau pose problème. Alors, je disais, donc, pratiquement, ça se trouve dans la continuité géologique de Tchela, la zone où, la zone en rouge ici, où il y a une forte activité artisanale en ce moment. Alors, on va même voir actuellement la zone pratiquement, c'est cette zone ici, et puis la continuité est là. Et dans cette zone, on va voir, il y a plusieurs, pratiquement des gens et des permis d'exploration dans la zone. Et des gens essayent de faire quelques activités de ce côté-là. Alors, c'est pratiquement l'une des opportunités. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a l'ONCOR qui a fait des activités dans cette région, dans cette zone, et puis ils ont même fait des sols, et puis ils sont repartis en trouvant qu'à l'époque, à cette époque-là, ce n'était pas, n'ont pas jugé rentable de continuer les activités d'exploration, ils avaient arrêté. Mais il y a encore, on sait qu'en termes d'exploration, il y a toujours encore et encore à découvrir et à rechercher. Donc, c'est vraiment une opportunité que les gens peuvent essayer d'étudier, chercher des données qui s'y trouvent. Et puis même faire des travaux de recherche comme INEX l'a fait avec des étudiants, essayer de comprendre un peu si on peut trouver un gisement ici ou bien on peut trouver même un gîte et peut-être qu'il peut passer dans les semi-industriels. Alors, Yann, il y a aussi certaines opportunités, oui. C'est pratiquement. Ouais. Apparemment, tu voulais ajouter quelque chose sur Samax avant que la connexion pose problème. Non, non, j'étais juste en train de dire que Samax, c'est également l'entreprise qui a découvert les gisements en Tanzanie de Geita, je pense. Et par après, elle a été rachetée par Anglo Gold. Donc, peut-être qu'on peut chercher Samax. Samax n'existe plus parce qu'elle a été rachetée par Anglo Gold. Ah, oh, OK. OK. Alors, il y a aussi du côté pratiquement est, j'ai encore aimé cette carte, pratiquement cette partie du pays. Il y a un service international d'information sur la paix qui a essayé d'élaborer une carte dans cette zone, une carte de minerais à conflit. Donc, ils ont pratiquement, partout il y avait des zones d'orpaillage,
des zones d'activité artisanale, ils ont essayé de prendre des photos, identifier les types de minéralisation ou des minéraux exploités, et puis ils ont établi une carte interactive, pratiquement jusqu'ici au niveau des Haute-Uele. Alors, c'est vraiment une très bonne carte que je vous invite à aller sur le site de Ipis et qu'il faut aller visiter. Alors, ils ont établi pratiquement, ça peut présenter aussi des opportunités d'investissement si quelqu'un déjà peut avoir une idée où on peut trouver quel type de minerai. Alors, dans cette partie du pays, c'est vraiment un peu plus intéressant. Je ne sais pas, Yann, si tu as une, tu peux ajouter quelque chose sur ça, si tu as une idée. Non, non, c'est juste que ils ont cartographié la plupart des mines, en fait, des exploitations artisanales dans la zone, et ils ont créé une carte interactive pratiquement pour faciliter à localiser et à aider la gestion avec le SAEMAP, mais sur le plan géologique également, ça nous donne une bonne vision parce que vous savez que le géologue aussi est orienté par les artisanaux. Donc c'est pratiquement une carte interactive. Et nous sommes en collaboration également avec eux pour essayer aussi de produire des cartes interactives comme ça pour notre base de données que nous sommes en train de mettre en place avec la collaboration des universités. Oh, ok. Alors, à part ça, Yann, une idée sur les occurrences au niveau de l'Ubangi? Ouais, sur les occurrences au niveau de l'Ubangi, nous avons pratiquement des roches métamorphiques. Dans la plupart des cas, ces systèmes sont liés à des quartz veines. Il y a quelques travaux qui ont été effectués, mais également aussi récemment avec Promine, avec le projet Promine, qui ont effectué quelques travaux avec la géophysique qui actuellement peut aider à mieux comprendre ces zones. Donc, le problème, c'est que nous avons des occurrences dans plusieurs zones, mais très peu de travaux de profondeur ou très peu des travaux un peu plus outillés sont menés dans ces zones par le simple fait que ce sont des zones très reculées où il y a une difficulté d'accessibilité énorme. Exactement. Il y a même, il y a pratiquement, on parle même des occurrences dans d'autres coins du pays, à part là-bas. Il y a parmi ceux que je n'ai pas signalé, c'est des gîtes de Mobale au niveau du Kivu. Et c'est parmi des gîtes qui ont été pratiquement exploité depuis l'époque coloniale vers les années 1920-23. Alors, il y a aussi d'autres on parle même au niveau de Louisa, où il y a aussi des activités à ce niveau-là. Et récemment ici, au niveau du proche du lac Kivu, il y a une zone qu'on appelle Louis, c'est aux abords du lac Kivu. Pour moi, ça a été une bonne surprise de voir qu'on puisse déclarer récemment ici des activités artisanales dans cette zone-là, parce que je sais que ça, normalement, ça devait être avec le rift qui est juste proche là-bas, il y aurait beaucoup de dérangement n'est pas espéré avoir un gisement aussi
selon le dire des gens, ça serait un gisement très grand parce qu'on parle d'une exploitation dans la roche. Jusque-là, je ne sais pas dans quel type de roche, mais c'est vraiment dans les abords du lac qui est 40 à 50 km. Donc, il y a beaucoup de surprises qui sont encore là, quoi. OK. Je crois que le plus grand challenge avec ces différentes opportunités et même les opportunités en termes d'exploration et autres, de nouveaux terrains aurifères, c'est plus l'accessibilité. Tu vois, par exemple, dans le nord du Bangui, on ne s'est pas arrivé. L'est du pays, l'insécurité. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans ces. Quand il faut parler de l'exploration de l'or au Congo, il y a encore beaucoup à découvrir. Je ne sais pas si Monsieur Papi peut intervenir sur un point que Exactement. Je ouais, j'aimerais un peu veux aussi, demander. je pense De... aussi vraiment que. Ah, ok. Monsieur Papi, en termes, essayez un peu en termes du code minier sur fiscalité. Si vous pouvez nous faire une idée sur l'opportunité qui peut présenter l'or. Là. Quelquefois, yeah. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il pleut beaucoup à Kinshasa, ce qui veut dire que je n'ai pas eu le temps de suivre. Je crois que papy. Mais un problème de connexion. Ouais, papy a un problème. Et votre exposé. Merci. Concernant la C'est fiscalité, pratiquement le c'est challenge de nos quasiment Open le même Talk, hein? problème. Donc, cela veut dire. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Ouais. Maintenant, ça va. Oui, ça va, allez-y. Bon, Ouais. j'éteins un peu la caméra. Hein. Bon. Je disais, nous, Ouais. en tant que géologues, nous pouvons que nous réjouir lorsqu'il y a des projets d'exploration. Comme Ben vient de dire tantôt, le seul problème, c'est l'accessibilité. Et si vous regardez bien la carte géologique qui nous est présentée devant là, vous rentrez ici, partout il y a le socle, les roches anciennes, il y a quand même des occurrences aurifères. Mais le seul problème, est soit il y a l'insécurité, pardon, soit il y a l'inaccessibilité des régions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, la continuité de la partie nord-est, le projet Loncor en province du nord, du haut où elle est. Mais lorsque vous allez dans les bases où elle est un peu plus au nord-ouest de haut où elle est, vous vous rendez compte que presque toute la région est occupée par des zones réservées. Hein. Ce sont des zones réservées. Là, on ne peut pas octroyer des permis ou des titres miniers. Hein. Ça pose problème même au niveau local. Et la communauté pense qu'il y a des initiatives, même des parlementaires, qui pensent qu'il faut essayer de faire l'exploration et essayer de délimiter encore de nouveau pour permettre aussi à la province du Bas-Uélé de développer leur potentiel minier. Parce qu'il y a le territoire de Hango, le territoire de Poko, où il y a même la continuité des BIF, hein, la continuité des BIF, Banded Iron Formation, qui commence à partir de Banalia, qui remonte jusqu'en Ngayou, il y a Kilo, jusqu'à. Donc c'est quasiment la même ceinture. Hein, la même qui continue jusqu'au bas où elle est. Donc,
Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités. Il y a aussi dans le Nord-Ubangi, même, et il y a encore des occurrences du côté sud, centre et sud de la RTC, dans la province du Kasaï central, vers Luisa. Là, on peut parler déjà même des gîtes, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, entre autres australiennes, qui ont déjà eu affaire à email. Le système ou le modèle géologique de ce coin-là n'est pas assez connu, parce que là-bas, nous avons beaucoup plus de roches ultra basiques, et on parle de chrome, nickel, diamant, et accompagné aussi de l'or comme sous-produit. Donc, ce qui veut dire, en termes du potentiel, la RDC réserve encore beaucoup plus de surprises. Bon, en ce qui concerne la taxation ou le régime fiscal, en ce qui concerne la RDC, là, il y a des problèmes, parce que on peut dire l'or facile à trouver. L'or facile à trouver est déjà presque épuisé. Donc, pour l'exploitation industrielle, l'or facile à trouver. Maintenant, il faut vraiment des efforts d'exploration pour arriver à mettre la main sur des gisements à découvrir. Parce que ça va demander beaucoup plus de techniques, des techniques modernes afin de les trouver. Mais et aussi, la fiscalité, c'est vraiment un sérieux problème, parce que juste là même, les peu d'opérateurs qui sont sur place ici ont du mal à comprendre les systèmes fiscaux congolais, qui est assez complexe. Depuis la phase d'exploration, où il y a plusieurs redevances à payer sur la taxe superficielle, et conformément à chaque type de substance minérale à explorer. Et le plus grand problème revient dans les projets miniers, donc en ce qui concerne la production. Parce que en RDC, les plus importants, il faut savoir que tous les projets en exploitation aujourd'hui, des projets viables, sont des projets qui mettent en partenariat d'une part l'État congolais et d'autre part le privé. Alors, l'État congolais, en cédant les concessions minières, il y a déjà un rapport avec la législation, il faut donner à l'État 10% de participation de l'État. Ça, c'est au niveau du gouvernement central. Mais lorsqu'il y a des négociations entre l'État représenté par les entreprises publiques et les partenaires privés, là aussi, il y a encore d'autres participations que les privés doivent céder auprès de l'entreprise de l'État. Et à part ça, il y a si vous voyez déjà 10% de l'État, mais il y a des projets où l'État va jusqu'à 25% des participations, surtout les projets les plus pauvres qu'on va faire dans les Katanga. À part ça, il y a l'impôt sur les bénéfices. Hein, l'impôt sur les bénéfices, comme dans les régimes commerce, c'est 30%. L'impôt sur les bénéfices, c'est 30%. Mais lorsque une entreprise qui vend par exemple le minerai à 100 $, il a eu des emprunts avant, mais il n'a pas encore atteint la période d'amortissement et qu'il doit déjà débourser 10% pour la participation de l'État et payer 30% pour l'impôt sur les revenus, un peu plus entre 40% d'impôts. Et à cela s'ajoute, lorsque vous payez des dividendes aux actionnaires, l'État doit aussi imposer, lorsqu'il y a rapatriement de après la vente de produits exportés, là aussi, il y a un problème, parce que les miniers ne peuvent pas se mettre d'accord avec le gouvernement. Les entreprises qui les privées, parfois, essaient pour emprunter de l'argent du coût au prêt. OK. Il y a Papi qui a connu des problèmes de connexion. Alors, il y a une question que quelqu'un a posée
sur YouTube, il demande, est-ce que avons-nous assez d'or? La question est un peu compliquée, mais je vais essayer de répondre. Peut-être on va essayer de partager. Si nous avons assez d'or dans le pays, alors, je ne sais pas dire si nous avons assez d'or dans le pays. D'abord, on va voir la RDC actuellement n'est pas, en termes de production, nous ne sommes pas dans les top 10, dans les top 10. Et la Chine occupe la première place, il y a Chine, les États-Unis. On n'est même pas dans les top 10. On est vraiment même dans les top 20 en termes de production. Peut-être pas, mais peut-être si on essayait de cadrer, encadrer leur paillage, les activités artisanales, certainement qu'on peut être dans les top 20. Ça, c'est possible parce qu'on n'est pas trop loin de 20. Et actuellement, c'est juste beaucoup plus Kibali, la mine de Kibali opérée par Barrick et Anglo qui est en pleine exploitation. Twangiza, comme on le disait, a connu des problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes et des problèmes financiers n'ont pas pu continuer. Est-ce que nous avons assez de l'or? Si on doit se comparer aux autres, peut-être pas. Mais nous avons assez pour faire quelque chose, pour faire bénéficier les pays. Il suffit de mieux encadrer, surtout les activités artisanales. Essayer d'encadrer parce que la plupart d'activités artisanales effectuées et dans l'or, c'est comme cet or-là n'est pas comptabilisé dans la production du pays. Et ça sort par des voies un peu, que je ne voulais pas dire, bizarres. Alors, je ne sais pas si les autres pensent quoi sur cette question. Si nous avons assez d'or. Samy, toi, tu penserais quoi en termes? Bonsoir, Président, et bonsoir à tous les débatteurs. Ouais. Je suis content d'abord pour bonsoir. Cette question, est-ce que nous avons beaucoup d'or? Bon, je ne sais pas s'il veut dire est-ce que nous produisons assez d'or? Parce que si nous en produisons assez, ça signifie qu'on en a trouvé assez. Ça, c'est une autre question. Et par rapport aux statistiques que vous avez montrées, donc on n'en a pas assez parce qu'on n'est pas dans le top 10 par rapport à la production. Mais ce qui reste maintenant, le potentiel, RDC, soyons toujours positifs. D'ailleurs, Bénédicte vient de parler d'une zone au Kivu. Donc, avec la RDC, moi, je suis toujours souriant. Mais néanmoins, je voudrais que... le débat est allé plus du côté régime fiscal, c'est intéressant. Je voulais les retourner un peu dans ce qui m'intéresse, d'autant plus que les publications qui sont faites dans l'or, pratiquement dans la recherche de l'or dans notre pays, ne sont pas beaucoup vulgarisées entre nous, géologues du pays. C'est à travers vous qui êtes, par exemple, de ce côté-là, qui va l'école, qu'on a quelques informations sur les bonnes datations des formations de là, qui sont pratiquement des larkiens et qu'avant, c'était pris pour le paléoprotéozoïque. Donc, c'est comme ça que j'aimerais qu'on retourne dans ce débat. D'ailleurs, je vais poser deux questions. C'est juste des questions d'éclaircissement en tant qu'expert et vous êtes dans ce domaine-là. Monsieur Papi vient de présenter déjà le problème que la plupart des gisements qui sont en surface, bon, l'or facile, tout le monde sait que c'est déjà fini pratiquement. Il faut faire avec pour aller chercher en profondeur, par des techniques plus appropriées, l'or qui serait l'or du futur en fait. Donc ça demande la compréhension du modèle en fait, dans lequel on peut trouver de l'or. Et j'ai vu Monsieur Yann dans sa présentation, il a quand même présenté, par exemple, à Makapé, là, qu'il y avait plus de 22 quartz. Et vous avez présenté chez vous à Kibali, donc j'aimerais quand même avoir beaucoup d'éclaircissements, que vous aviez à la fois une minéralisation qui est contrôlée par la structurale par rapport au trend KZ structure. Mais en fait, encore, il y a l'aspect lithologique en fait, avec soit les bifs, soit les métasédiments de type grossier.
Il y a ces deux aspects-là. En fait, selon vous, vous ajoutez encore que les granites sont datés pratiquement du même âge que les métasédiments. Est-ce que vous avez quand même des idées sur la compréhension de ce qui est Akibali, que nous pouvons aussi vulgariser, même aux universités où nous sommes? Voilà les résultats évidents par rapport à ça. Je pense que je peux, pour l'instant, donner cette intervention-là. En tout cas, je suis très ravi de votre intervention, parce que c'est pratiquement le problème que nous avons aussi dans nos universités. C'est-à-dire que nous avons des avancées au niveau des entreprises, au niveau de la géologie actuellement dans le nord-est du pays, mais qui sont, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas encore très, très vulgarisées, d'où ça ne permet pas à la communauté scientifique de réfléchir sur comment faire évoluer et les connaissances qu'on avait et voir même aider l'industrie à trouver d'autres minéralisations ou d'autres gisements. C'est vraiment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, avec INEX, nous sommes en train de travailler pour pallier à ce problème. Parce que dans la plupart de nos travaux ou des cours que nous avons à l'université, surtout sur la géologie du Congo, on date la plupart de ces zones-là du paléoprotérozoïque. Or, actuellement, il y a vraiment plusieurs datations que les entreprises minières ont faites qui les caractérisent vraiment dans l'archéen, dans les néo-archéens. Mais la dynamique de ce grand bassin, reste encore un challenge pour nous scientifiques, pour nous géologues, parce que nous avons un grand granitoïde dans lequel nous avons plusieurs greenstones qui sont éparpillés dans ce granitoïde. Pourquoi ils le sont comme ça? Comment l'expliquer? Et lorsque nous voyons même le type de minéralisation, parce que j'ai quand même eu la chance de travailler et dans le Moto Belt et dans le Ngayo Belt, lorsque vous voyez le type de minéralisation ou le type de déformation, vous avez pratiquement quelques différences. Par exemple, lorsque j'ai travaillé à Kibali, je pense que ni Bénédicte ni Trezen vont beaucoup me contredire là-dessus, mais les failles dans les carottes, c'était vraiment à rechercher. Dans certaines zones, on avait plus de déformations plicatives, ce qu'on dit ductile, tous ces consorts, raison pour laquelle on voit nos bifs se déformer autant, tous ces consorts. Alors que, par exemple, lorsque nous venons dans ces zones de Ngayou, où nous avons également aussi le même green schist faciès, mais lorsqu'on voit certaines zones en laissant plus, on remarque qu'on trouve facilement des failles. On trouve facilement des failles, que ce soit dans les carottes, que ce soit même sur terrain. Alors, ce sont des questions sur lesquelles on doit réfléchir pour savoir comment caler ces différents niveaux, comment caractériser ces différents ensembles, parce que nous avons et la minéralisation aurifère dans l'archéen, dans les néo-archéens, et d'autres modèles dans le paléo-protérozoïque, qui est pratiquement au Kivu, le paléo et le méso-protérozoïque au Kivu. Et on commence de plus en plus à découvrir des minéralisations aurifères au niveau du Bas-Congo, qui est dans les néo-protérozoïques. Et au niveau également aussi de l'équateur, alors que c'était des concepts dans lesquels on n'était pas habitué. Donc je pense que un grand review des différents modèles va vraiment nous aider, nous tous. Yeah, exactement, Yann. Je crois, Yann, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a un point que je n'ai pas signalé juste quand j'ai entendu Sami poser sa question. Il y a un point que je n'ai pas signalé concernant Kibali. Et à Kibali, non seulement que nous avons ces disséminations, nous avons actuellement, tout le monde connaît Kibali, c'est un système orogénique. On en parle à tout le moment. Mais nous avons des minéralisations que l'on pense être
associés à ces intrusifs. Il y a un style de quartz vein qui se trouve dans les mafic rocks et pratiquement à proximité des intrusions granitiques. Alors, les recherches ne sont pas encore avancées, mais nous sommes en train de nous poser des questions si ce serait vraiment, ça ne serait pas un système lié aux intrusifs. Alors, tout le monde connaît Kibale avec le célèbre Kibale dans le système orogénique avec tout ce que nous avons comme déformation. Et puis, on peut faire encore, on peut continuer, on peut écrire, faire des recherches sur ça, et puis on pourra ajouter un autre style. Mais le style est là, on connaît ce style de minéralisation. Maintenant, on cherche juste à connaître l'apport de ces intrusions dans ce type de minéralisation. Et ça peut même changer notre façon de voir les gisements de Kibale actuellement, si on poussait ces études un peu plus loin. Donc, il y a encore, ce que je voulais dire, il y a encore, comme Yann l'a dit, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à rechercher pour essayer de mettre à jour nos connaissances. Et c'est ce que nous faisons en ce moment sur INEX. On se bat pour ça, on fait des recherches. On n'a pas assez de temps, mais on se donne. Et l'objectif, c'est pratiquement, avec l'aide de tout le monde, avoir une compréhension de la géologie du Congo, du craton et de la cuvette. Donc, toute la géologie du Congo. Et je suis sûr que Samy, toi, dans ta partie là, tu pourras toujours nous aider, même une prochaine présentation, même. Ce serait la meilleure des choses si tu nous faisais une présentation prochainement. Sans problème, on en discutera. Mais de toutes les façons, je suis très content de participer à ces échanges. C'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs sur ça que nous sommes en train de travailler. Essayer de mettre un peu à jour, parce que la plupart des documents que nous avons actuellement sur les différentes minéralisations, sur leurs âges et autres sont, nous ne possédons pas actuellement une synthèse intégrant les avancées que les entreprises minières ont eu à faire, que d'autres chercheurs également ont eu à développer. Donc, je pense dans un avenir proche, nous allons produire un tel document. On va sélectionner quelques commodités dans lesquelles nous allons travailler à fond. Sûrement qu'on choisira les commodités sur lesquelles nous sommes déjà très actifs. Donc, mais je pense que c'est vraiment une approche qu'on doit mettre, qu'on doit vraiment considérer, que les minéralisations aurifères ne sont pas que dans l'archéen, parce que partout ailleurs, la plupart des géologues parfois pensent que les minéralisations aurifères sont simplement liées aux roches archéennes, alors que nous pouvons en trouver dans pratiquement tout ce que nous avons comme temps géologique. Exactement, M. Yann. Il y a une question pour M. Papi. Je ne sais pas si la connexion passe bien. Alors, concernant son intervention, on aimerait savoir, vous avez soulevé une série de difficultés liées à l'accessibilité et les problèmes fiscaux. Alors, la question qui est posée, c'est quelles sont les pistes de solutions que vous envisagez, M. Papi, pour pallier à ces problèmes? Aux problèmes. Voilà. Je ne sais pas si la question est dans le chat. Je pense que M. Papi a encore des difficultés de connexion. Mais pour essayer de prendre un peu la parole là-dessus, c'est-à-dire qu'il nous faut déjà commencer à réfléchir sur la réforme de notre code vraiment en intégrant ces différentes spécificités. Parce que parfois, il est plus facile de penser que la RDC est très riche, que nous avons beaucoup de minéralisation,
Mais nous qui travaillons à l'exploration, parfois, nous avons d'autres réalités que les personnes, l'âme n'en ont pas. Donc, notre code et notre fiscalité mettent vraiment des lourdeurs pour une bonne exploration, une exploration plus facile, quoi, qui attirerait un peu plus d'investissement. Parce que, comme le disait Papy, nous avons presque épuisé toutes les minéralisations qu'on pouvait trouver facilement en surface. Maintenant, il faut attirer plus d'investissements pour aller chercher ceux qui sont en profondeur. Or, pour chercher ceux qui sont en profondeur, il faut que le risque soit de plus en plus réduit. Et celui qui peut réduire le risque, ce n'est que le gouvernement. Donc, par notre code, quoi, alléger notre fiscalité, parce qu'actuellement, elle est encore un peu plus lourde avec l'exploration. Raison pour laquelle on voit l'or actuellement est aux alentours de 1900, je pense. Yeah. Mais nous n'avons pas une ruée des entreprises actuellement en RDC. Alors que l'exploration devait être partout, pratiquement dans tout ce grand craton du Congo. Oui. L'exploration devait être intense, mais l'exploration ne l'est pas. Pourquoi? Parce que notre régime fiscal n'attire pas, présente beaucoup plus de risques. Ouais, je crois. Je me pose la question, je crois que si M. Papi était là, peut-être vous pouvez nous aider. Et la question que je me pose souvent lorsque la rédaction du code minier, lorsqu'elle est effectuée, s'il y a des... Je sais qu'il y a des géologues, mais j'aimerais savoir les gens du secteur, des spécialistes, qui travaillent, donc je peux appeler des experts, pas des experts bureaucrates, parce qu'on connaît beaucoup plus des experts bureaucrates à Kinshasa, déjà qu'ils sont là, ils ont fait beaucoup d'années en géologie, mais ils n'ont pas trop travaillé vraiment dans les domaines en exploration pour comprendre. Là, je me pose, lorsqu'il y a rédaction, si ces gens-là sont associés, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans les mining, qui ont trop travaillé dans les mining ou dans les domaines pétroliers, s'ils sont plus associés dans la rédaction de nos codes. J'ai la question que je me pose souvent. Oui, mais... mais le problème, c'est que la plupart de ces personnes-là qui ont beaucoup plus travaillé dans les mining restent en brousse généralement. Ils en sortent un peu plus en retard. Donc, ce qui fait que c'est plus ceux-là qui sont experts dans les experts géologues qui ne font presque pas parfois la brousse ou qui ne sont pas actifs dans le mining. C'est généralement ceux-là qui sont associés dans ces genres de débats. C'est ça le problème aussi. Et aussi... Le secteur privé avec l'État, en tout cas au Congo, il n'y a pas de lien, quoi. On remarque qu'il y a il n'y a pas une connexion directe entre le secteur privé et, je dirais, l'État, quoi. Ça sera toujours un problème. Et par rapport aux solutions, par rapport à la question de Michel qu'il a posée sur les pistes de solutions. Yann a essayé de balayer un peu certaines pistes de solutions. Mais vous allez voir toujours qu'il y a un problème de, je ne sais pas si de vulgarisation ou de partage de l'information qu'il faudrait soulever en ce moment. Pourquoi? Parce que je pense que les décideurs dans les secteurs miniers sont très moins informés du vrai secteur minier au pays. Les gens qui sont là au ministère des Mines, les gens qui sont je ne sais pas où, ils ne comprennent pas en réalité le secteur minier réel, c'est que nous sommes en train de vivre chaque jour. Samy, lui, il est à Lubumbashi, il sait. Peut-être à Lubumbashi, c'est un système un peu plus complexe parce que tout le Lubumbashi, ce sont les mines, quoi. C'est à cause des mines qu'il y a. Et c'est pourquoi tu verras, je crois que le gouvernement, le choix tourne autour des mines. Et moi, je pense qu'il faut arriver à créer
je ne sais pas si c'est une structure de vulgarisation, arriver à faire voir à certains décideurs, parce que c'est la seule façon où on peut avoir, faire de l'exploration facilement, arriver à montrer les potentialités, arriver à montrer les faiblesses. Parce que les gens peuvent continuer à croire que le Congo est un scandale géologique, nous avons de l'eau. Mais voyez-vous, Angayou, Yann peut témoigner. Oui, nous avons de l'eau, mais tu peux passer beaucoup de temps à Angayou sans pour autant trouver de l'eau. N'est-ce pas, Yann? Et du coup, ouais, on continue à croire que c'est un scandale géologique. Mais le problème, c'est arriver à vulgariser concrètement et je ne sais pas dans quelle manière, c'est ça ce que nous présentement, nous réfléchissons, voir comment arriver à vulgariser, à partager avec les décideurs politiques la réalité du secteur minier. Parce que si on n'y arrive pas, on peut continuer à lutter. Mais dès lors que le décideur politique, il n'a pas une bonne lecture ou une bonne vision de ce que c'est le secteur minier, le vrai secteur minier, nous serons toujours bloqués. Celui qui va créer une route, ce sont les décideurs politiques. Celui qui va créer un climat des affaires qui soit, je ne sais pas comment, ce sont les décideurs politiques. Et du coup, s'ils ne sont pas bien informés, bonne information, on sera toujours coincé, on sera toujours bidé à un problème. Il y a à la production ou à beaucoup d'autres. Dans une certaine mesure, quelqu'un dirait que le Congo, il y a quelqu'un qui dort déjà. Le muter un peu. Dans une certaine mesure, on peut dire que non, le Congo est très, très riche. Mais, ok, très riche, sur base de quoi? Quelque chose qui n'est pas découvert, quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qu'on n'a pas mis la main dessus. Comment on peut dire que le Congo est très riche? En réalité, nous sommes très pauvres. Il y a de l'or au Kivu. Moi, je vous dis que à Kigali, depuis 2017, je crois, 2007 ou 2008, ils ont installé une raffinerie d'or. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'au Rwanda, on reconnaît un certain gisement d'or au Rwanda? En tout cas, selon mes sources, ou ce que je connais, je n'ai jamais vu un gisement d'or au Rwanda. Mais ils ont une très grande raffinerie d'or qui produit, je crois, 20 kilos. 20 kilos par mois ou par jour, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de précision, mais il y a un chiffre 20 kilos comme ça. Cet or vient d'où? De chez nous. Et du coup, ceux qui peuvent nous faciliter ces tâches-là, en tout cas, c'est toujours, vous savez, c'est, la politique est dans une grande partie liée. Aujourd'hui, on ne connaîtra jamais la qui peut aujourd'hui la géologie d'aller vers le Walikal et dire qu'il va faire un peu de géologie. Il ne sera jamais. Ça sera des questions qui vont rester. Et du coup, si les décideurs politiques comprennent d'abord quelle sera la place de l'exploration du pays avec tout ce qu'il y aura comme projection dans le futur, ce que l'exploration peut apporter au pays dans le futur, je crois qu'ils s'y pencheraient beaucoup. Mais bon, comment ils vont s'y pencher alors qu'ils... OK, ils ne voient rien. Ils savent que les mines payent. Kibali envoie autant d'argent chaque fin du mois. Les ministres se retrouvent, le président se retrouve. Voilà. Où est le problème? Ce n'est pas suffisant pour le pays. Vous dites? Ce n'est pas suffisant pour le pays. Non, ce n'est pas suffisant pour le pays. Mais est-ce que lui, il saura que ce n'est pas suffisant pour le pays? Il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect que nous devons vraiment... Je ne sais pas comment on va faire, mais il faudrait qu'on trouve un moyen comment commencer à vulgariser. Au-delà de cette vulgarisation entre nous, géologues, on doit faire en sorte que le décideur, comment atteindre le politique, l'air mettre, je ne sais pas si c'est un plan sur table ou quoi que ce soit, pour qu'ils apprennent en réalité quelles sont les réalités du secteur minier, les vraies réalités du secteur minier. Non pas ce qu'ils pensent sur papier, les contrats avec... Vous savez, dans les papiers, combien nous a
à effleurer ça ici. Les contrats, les différents contrats miniers. L'État se retrouve avec 10%. Eux, ils voient plutôt cet aspect-là. On aura 10%, on négocie à 25%. Les spécialistes, les experts qui s'appellent les experts, c'est sur ce sont ces choses-là sur lesquelles ils se basent. Avoir juste la participation de l'État dans les différentes entreprises. Et ça, c'est déjà un problème. Et du coup, il faut arriver à vulgariser. Je ne sais pas comment on va le faire, mais c'est un sujet. Dites-moi si je vais réagir, mais il y a une question Delvarène. Samy, moi aussi je vais réagir, Bénédicte. Ce que tu as soulevé est très important. Delvarène. Bonsoir tout le monde. Je vais réagir. D'après ce qui vient de parler, Bénédicte. Bon, c'est vrai que pour le moment, on peut dire que les autorités de notre pays ne nous soutiennent pas. Mais avant que nous puissions dire ça, je pense que le mieux serait, d'abord, j'ai dit chapeau bas à toute l'équipe de INEX avec cette belle initiative. Et je pense que quand on dit le Congo est un scandale géologique, c'est ce qu'on nous disait depuis qu'on était enfant, et c'est ce qu'on nous dit. Et jusqu'à aujourd'hui, ces slogans continuent. Et pour arriver à montrer au monde que ce Congo est un scandale géologique, ça nous revient à nous, géologues, de le montrer. Donc, arriver à dire que non, voilà, nous avons ceci, ceci, c'est ça. Et avec cette belle initiative de INEX, je pense que nous y arriverons. Alors, pour que ces autorités nous soutiennent, on doit arriver au moins à faire un pas, leur faire voir l'importance et l'apport de l'exploration dans notre pays. Et pour ce qui est de l'insécurité, je pense aussi que quand le pays trouvera intérêt à ce que nous faisons, trouver le bon côté de la chose, je pense qu'ils vont nous soutenir. Et ce que nous devons aussi savoir, ce ne sera pas facile d'avoir un pays comme le nôtre être en sécurité au moment où nous régorgeons beaucoup de ressources que d'autres n'en ont pas. Alors, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'on ne puisse pas se décourager et qu'on ne puisse pas avoir des idées négatives, que, par exemple qu'on est habité à ça. Le mieux serait peut-être de voir des pistes et des solutions pour quitter dans ce que nous sommes, dans cette situation où nous nous retrouvons pour le moment. C'est juste un peu ça que je voulais ajouter. Merci. Merci Delvarène, merci pour ta contribution. Merci madame. Je peux juste un peu réagir. J'ai été touché par le message de Bénédicte. Il a le mal du pays, en fait. Il a au moins résumé tout ce que nous savons sur ce pays. Et c'est intéressant. Déjà, d'une part, il a présenté qu'il faut des gens, des spécialistes, de vrais spécialistes qui connaissent l'exploration et qui savent combien de dépenses sont faites dans l'exploration. Au-delà de ça, il faudrait au moins que les décideurs nous écoutent aussi. Ça, c'est un autre point, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de ministères de mines. C'est rare qu'on y trouve d'ailleurs un géologue ou un mineur comme ministre des mines, c'est récemment là. Donc, c'est vraiment de la politique. Alors, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est d'une certaine manière, tous géologues, essayer de continuer à avoir d'abord notre rôle. Ouais. La connexion fait défaut. Les Congo. Delvarène est là parce que je dois lui dire une chose. Delvarène, j'espère que tu es là. Samy, tu es toujours là ou tu es en train de partir? Samy est en train de faire la connexion. Delvarène, oui, tu as complètement raison sur le fait de dire que nous devons faire quelque chose. En réalité, nous restons toujours très positifs. Mais continuer à dire que le Congo, c'est un scandale géologique, c'est comme croire à l'histoire que les Belges et les autres nous ont fait croire pendant très longtemps, disant que c'est Diego Cao qui avait découvert l'embouchure.
du fleuve Congo. Parce que jusqu'alors, je continue à me poser la question, où étaient les grands-parents de Benjamin Mabondo quand Diego? C'est toute la géologie qu'on parle tout à l'heure. Si nous te disons ce que sont les grèdes au Nevada, tu ne vas pas me croire. Je ne sais pas si nous avons un gisement qui titre comme celui du Nevada, mais les États-Unis restent les États-Unis d'Amérique. Donc, on ne peut pas justifier la guerre à l'Est par le simple fait qu'on soit riche. La guerre à l'Est, moi, je pense que c'est la naïveté du Congolais. C'est toujours nous. C'est toujours notre propre responsabilité. Tu ne vas pas me dire que nous allons commencer à faire de l'exploration et tu me dis que je vais aller à Beni. Non. Voilà pourquoi nous allons commencer à chercher. Samy a dit à la vérité. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont nous écouter? Ce n'est pas facile. Mais bien sûr, il y a, je crois, une chose. On dit que la foi vient de ce que l'on entend. Plus on fait du bruit, plus... Regarde, il y a un monsieur aujourd'hui, actuellement, qui fait du buzz dans le média, Bosolona politique. Comment il s'appelle? C'est l'ami de Trésor. Israël Motombo. Ce monsieur-là, il est venu comment? Il a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Il lui a fallu de beaucoup de bruit pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un moyen que nous pouvons utiliser. Ça peut être des petits mémos, je ne sais pas, pas des conférences, parce que les conférences actuellement, c'est pour chercher de l'argent. Pour la plupart des temps, quand tu fais une conférence avec un ministère ou quoi, ça sera d'abord l'argent, et pour ne pas écouter tout ce qui va se passer après. Je ne sais pas comment, on va trouver une stratégie. C'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir et essayer de vulgariser, voir le... Ça peut être petit aujourd'hui. Comme tu l'as dit, INEX, c'est une très, très grande initiative et c'est déjà un grand pas. Mais c'est déjà un grand pas et il faut maintenant donner des coups de géant. Et ce sont ces coups de géant. Les coups de géant ne commencent pas avec un gros coup, ça commence avec un petit coup. Le petit, petit coup que nous allons commencer à donner, continuellement, on peut arriver à peut-être demain, peut-être pas nous, peut-être nous n'allons pas vivre ça, mais après, les gens vivront ça. Donc, moi, je pense qu'il faut arriver à prêcher les politiques congolais sur la réalité du secteur minier. Donc, tout la dislocation qu'il y a entre le gouvernement et le secteur privé. Nous qui sommes dans le privé, je ne sais pas comment on va rentrer dans la politique ou rentrer chez les politiques. Et ceux qui sont... Et les politiques aussi ne savent pas comment rentrer dans le privé. Il y a vraiment une barrière, elle n'est pas naturelle, mais je ne sais pas, c'est créé par quoi, mais il y a vraiment une barrière qu'on peut sentir. Donc, c'est un peu ça. On a une question sur YouTube. Il y a M. Eli Outera qui demande « Bonsoir à tous. En effet, j'ai une question question. Parlant des récents travaux de datation par les entreprises, ces derniers pensent-elles actualiser également la carte structurale du pays ? Ça, c'est la première. Et il argumente en disant « Le Congo est un scandale géologique sur le plan structural, selon Jules Cornet, et non sur le plan minéral, comme les transmet les politiques, qui n'est pas faux non plus. » Ça, c'est M. Outera. La question, là, pour moi, je crois que la question, c'est si les entreprises pensent actualiser également la carte structurelle du pays. Et il y a une carte structurelle du pays déjà. Sur le plan structurel, la RDC a-t-elle une carte? Je ne sais pas s'il y a une carte qui... Ouais. Il y en a. Bon, moi, j'ai... si tu regardes juste la carte structurelle, il y a les bon, moi, ce que je dirais plutôt, c'est que, ouais, si les entreprises minières pensent updater la carte structurelle du pays, c'est trop osé déjà parce que les échelles sont vraiment très différentes. À l'échelle des entreprises, il y a la tonique en général, c'est que il y a le marqueur, c'est que nous observons, par exemple, à l'échelle des Kibali ou d'un greenstone belt, d'une ceinture orogénique. Ça sera de marquer d'une tectonique nommée X qui ferait
Cette tectonique X, par exemple la tectonique kybalienne, dans le grand ensemble du pays, représenterait une structure, tu vois. Du coup, dire que les entreprises, les données des entreprises peuvent arriver à un update, peut-être à mieux, ça c'est ce que je pourrais dire, les ajouts, on pourrait dire, la tectonique kybalienne, on a plus de preuves parce qu'on est descendu plus bas. Je crois que ça peut être juste pour, comment on a dit, raffiner ou peaufiner ou je ne sais pas, la compréhension de ces grandes structures. Mais je ne crois pas que ça serait un travail de, selon moi, personnellement. Je ne pense pas que ce soit un travail. Des entreprises. Ouais. C'est plutôt la société géologique qui devra s'en occuper. Oui. À intégrer à différentes échelles toutes ces données. Oui, exactement. Il a dit que c'est Jules Cornet qui a dit que le Congo est un scandale géologique sur le plan structural. Oui, d'après. Oui, il a dit. D'après lui. Ouais. C'est qui? Le monsieur qui a posé la question, il dit ceci. Ça me tient qu'à Jules Cornet. Parce qu'il est laissé savoir qu'est-ce qu'il entend par ça. Ouais. D'après ce que nous savons de l'histoire, il a prononcé cela en voyant les collines des Malakites de Tenkefunguru, mais c'est par rapport à cela qu'il avait dit que c'était un scandale géologique. Donc, ce n'était pas sur le plan structurel, parce que sur le plan structurel, ou peut-être que notre ami a d'autres éléments. Notre ami Eli peut avoir d'autres éléments. Il peut peut-être nous fournir, on va partager avec lui. Ouais, c'est comme si c'est une affirmation. Mais c'est ce que nous connaissons de l'histoire. Oui, ce que nous connaissons, c'est ça. Mais son affirmation. Peut-être pour rappel aussi, cette colline dont Yann est en train de parler, si tu le suis sur la route de Koulouse, je crois, ça fait 54 km. Tu es en train de voir quelle est la Malakite. C'est vraiment bizarre. Oui, 54 km. Fais des Tenkefunguru, mais ça fait 54 km. Ce n'est pas possible. Comment tu peux imaginer un truc comme ça? Moi aussi, si j'étais à la place de Jules Cornet, je crois que je réagirais de la même façon. Malheureusement, il l'avait déjà dit. Maintenant, on applique à toutes les commodités. Il affirme, il dit, cela a été dit par rapport, c'était dit, c'est d'après, il précise, il dit ceci, c'est d'après le professeur Isomale, que c'est sur le plan structural et non sur le plan... minéral. Donc, c'est qu'il a d'autres éléments. Le conseil chômage doit avoir d'autres éléments. Ouais. On va essayer juste de voir. Oui, mais sur le plan structural, OK. Le procès a trop travaillé dans la zone. OK, merci à vous tous. Je pense qu'on a pris assez de temps. Yeah, merci. Je pense qu'on a pris assez de temps. Nous sommes contraints de chuter. Oui, tout cas. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'avoir été là. On doit vraiment, un bon Geo Open Talk où nous avons essayé d'échanger dans pratiquement tous les aspects. Et n'hésitez pas, comme on dit souvent, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions à nous poser. Notre adresse mail est là, info@inex-rdc.com. Ou alors, si vous avez besoin d'informations concernant INEX, vous allez sur notre site web www.inex-rdc.com. INEX, c'est une association de géologues congolais, de géoscientifiques congolais. Et vous pouvez toujours aller aussi voir d'autres vidéos que nous avons eu à faire auparavant sur YouTube, INEX-RDC, notre compte YouTube, et puis vous pouvez les télécharger, les partager et de nous contacter même par nos numéros de téléphone sur les websites que vous allez trouver. Donc, n'hésitez pas. Nous apprécions parler de l'exploration au Congo, et comme les amis venaient de le dire, on doit arriver à nous faire entendre,
à faire passer le message à ceux qui dirigent, leur dire l'importance de l'exploration dans ces pays. C'est vrai qu'à tout moment, nous parlons de Congo, scandale géologique. Pas plus tard que la semaine passée, je crois, il y a un politicien que je m'étais de citer le nom, a déclaré, après les consultations avec le président de la République, oh, le Congo, c'est un scandale géologique. Oui, c'est bien bon, le Congo, c'est un scandale géologique. N'oubliez pas qu'il y a des pays beaucoup plus riches que le Congo en termes de ressources minérales. Et nous ne sommes pas les premiers actuellement sur le plan mondial. Alors, nous, notre scandale géologique, et sachez aussi que les ressources minérales sont épuisables. Donc, ça ne va pas rester comme ça. Nous exploitons au fur et à mesure, nous produisons et ça va se terminer. Qu'est-ce que nous laissons aux générations qui viennent? Et la question est, à part ça, qu'est-ce que nous avons? On doit chercher à découvrir ce qu'on n'a pas encore découvert, essayer de gérer ces ressources. Maintenant, pour le moment, nous, on est concentrés, l'INEC s'est concentré à plus chercher à explorer la recherche de ces ressources minérales que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. On doit essayer de les identifier, avoir en termes de chiffres, quantité, essayer de connaître les ressources. C'est notre travail, connaître. Et ceux qui nous dirigent doivent comprendre que ça fait partie, c'est l'un des aspects qui paie et qui d'ailleurs, l'un des aspects qui contribue de manière majoritaire dans le budget du pays. Donc, on doit essayer de comprendre, de connaître. Il ne faudrait pas que nous soyons au niveau où nous sommes, où nous voyons une entreprise nationale vendre un gisement ou des ressources du pays à une entreprise privée à vil prix. 20 millions de dollars pour un grand gisement. 20 millions de dollars seulement pour un grand gisement. C'est inacceptable. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens savent, sont informés de ce qu'ils font ou bien ils font un peu esprit. Alors, nous sommes la parole qui doit faire passer le message. Peut-être qu'on ne sait pas comment faire passer, mais nous avons déjà commencé, on fait passer ces messages. Et ceux qui peuvent nous entendre, nous entendons, vous pouvez nous contacter et on va voir comment arriver à faire changer les choses, faire évoluer les choses. En tout cas, merci d'avoir été tous là. N'hésitez pas de nous écrire et un grand merci surtout à M. le Président de l'Initiative pour l'exploration géologique du Congo, M. Yann, et à tous ceux qui étaient présents. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Et le prochain rendez-vous merci. Est pris pour les samedis prochains. Ne ratez pas surtout. Il y aura toujours une commodité à discuter et à débattre. Restez connectés. Merci. Au revoir.